Hello tout le monde, on se retrouve sur Paper Mario The Origami King pour vous montrer comment récupérer les 15 trophées dans ce jeu. Alors ils s'obtiennent en réalisant des actions bien spécifiques et on pourra les récupérer en parlant au Toad du musée de Toadville. Du coup c'est parti, je vous montre tout de suite comment tous les récupérer. Alors le tout premier trophée s'obtient une fois qu'on a remporté 200 combats. Donc il faudra vaincre un maximum d'ennemis, soit en leur sautant dessus, ou soit en leur donnant des coups de marteau. 200 combats ça peut paraître beaucoup, mais ce sera aussi très utile pour obtenir le second trophée. En fait, la condition pour l'obtenir est de récolter 300 000 pièces. Perso, je trouve que les combats c'est vraiment pour moi la meilleure méthode pour obtenir des pièces, en plus de l'île du ring. Pour le troisième trophée, il faudra frapper tous les blocs avec un point d'interrogation. Honnêtement, ils sont plutôt bien dissimulés, donc cherchez bien partout. Pour le quatrième trophée, il faudra se rendre dans un coin de pêche et pêcher le gros Ship Ship et le Bloops légendaire. Plus l'ombre est grosse, plus il est probable que ce soit une des deux créatures marines. S'il mesure 400 cm, c'est que vous avez réussi à le pêcher. Pour le cinquième trophée, direction l'île du Ring. Alors c'est une île qui se trouve sur la case C7, et je vous conseille de ramasser tous les cœurs avant de vous y rendre. En fait, là-dessus, on devra combattre 7 guerriers machos à la suite pour pouvoir remporter le trophée. Si vous avez besoin d'aide pour les vaincre, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, on va se rendre dans le labo de combat de Toadville pour récupérer de nouveaux trophées. Au sous-sol, il faudra activer cette machine et résoudre un maximum de casse-têtes. Donc on a deux modes. On a le mise en ordre où il faudra réussir à résoudre les 30 casse-têtes, et on a un mode contre la montre où il faudra en résoudre 16 dans un temps donné. Pour ces deux trophées, j'ai également fait une vidéo pour vous aider et je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Pour le huitième trophée, il faudra naviguer sur la rivière Folio et réussir à récolter toutes les pièces lors de la traversée. Alors j'ai dû le refaire une bonne dizaine de fois avant d'y parvenir, et franchement bon courage à vous si vous vous lancez dans cette quête. Ensuite, direction Shogunland pour tenter le mode expert dans le dojo des shurikens. Dans ce mini-jeu, il faudra toucher un maximum de cibles en lançant les shurikens et faire un score minimum de 100 points. Alors pour le 10ème trophée, je vous avoue que j'ai bien ragé puisqu'il faut obtenir un score parfait au Quiz Mascot. Alors un score parfait, ça signifie qu'il faut réussir à la suite les 12 mini-jeux sans faire aucune erreur. Honnêtement, celui-là, mais j'en ai vraiment bien bavé. Je sais pas trop, peut-être que je me mettais trop la pression, mais bon, en tout cas, je suis bien contente d'en avoir fini. Ensuite, direction le musée pour compléter la collection de tableaux. Pour chaque Toad sauvé, on pourra déverrouiller un nouveau tableau, et ce sont en fait les paysages du jeu. Je trouve l'idée vraiment sympa et je trouve que ça fait comme un petit artbook. C'est pareil pour le 12ème trophée, où il faudra sauver tous les Toads origamisés et les découvrir sous toutes leurs formes. Pour le trophée suivant, il va falloir trouver tous les coffres et obtenir tous les mini-trésors. Ensuite, il faudra combattre tous les ennemis du jeu. Dans le musée, ils sont répertoriés par la couleur du serpentin, et du coup vous n'avez plus qu'à combattre tous les mobs de la zone pour tomber sur celui qu'il vous manque. Et enfin, pour terminer, il faudra boucher la totalité des trous avec les confettis afin de compléter la collection de vinyles.
Une fois qu'on aura tout rebouché, on pourra écouter toutes les musiques du jeu. Et voilà! Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas terminer votre jeu à 100%. En plus, si vous avez réussi à tout récolter, il existe une fin secrète dans laquelle il y a une cinématique supplémentaire tout à la fin. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye!